L'épisode du jour, eh bien, c'est un sujet freeriding. Alors je vous rappelle le concept, hein. C'est on part le matin pour pouvoir profiter du lever de soleil en montagne et surtout avoir, on va dire, la montagne pour soi. Et l'idée, c'est de revisiter des classiques, voire des grands classiques du ski de rando. Et là, je suis parti pour faire la pointe des Mattes. Donc c'est une petite pointe qui est dans le massif du Mont-de-Grange, à Châtel, Port du Soleil, qui est vraiment un des grands classiques l'hiver, surtout en arrière-saison, en ski de rando. Bon, cette année, avec cette histoire de Covid-19 et la gendarmerie et de montagne qui vieillait au respect du confinement, bien la pointe des Mattes a été vraiment très peu skiée. Donc c'est le moment de prendre notre petite revanche et d'aller se hisser jusqu'au sommet. Pour y accéder, deux solutions. On a opté pour la solution la plus rapide, la plus technique, la plus pentue. On est passé sur le crack, qui est vraiment une pente très très raide, qui permet de rejoindre directement l'alpage qui est situé plus bas. Ah là, encore un de ces accès qui n'est pas vraiment pensé vélo, malheureusement. On va passer côté ruisseau. Voilà, hop. Du coup, l'hiver, peut-être plutôt privilégier souvent la montée par les Boudimes, les Kébaltes, pour ensuite rejoindre les Mattes. Mais par contre, deux options de descente, soit côté Chapelle d'Abondance, soit côté Châtel, avec la Combe qui est en partie haute, puis éventuellement celle-ci. Parce que là, c'est du vierge l'hiver, il n'y a aucune remontée mécanique, donc l'accès se fait uniquement en peau de phoque. Et on a des très très jolies combes. Donc là, pour l'instant, on va grimper dans les alpages, direction l'alpage de Cornillon, puis celui des Mattes, pour arriver sur des jolies crêtes où on devrait avoir une vue plus que jolie ce matin. Voilà, au-dessus du vallon là, on voit bien la pente qui est prise l'hiver, qui est juste sous le Mont-de-Grange. Alors le Mont-de-Grange, pour le faire à pied, il n'y a pas de souci. Avec l'e-bike, après la crête de Souquacon qui est à gauche, hein, qui est aussi un de nos grands classiques, j'aime bien les rouler. Là, il y a une partie qui est vraiment raide, où on avait d'ailleurs tourné un sujet, qui est le sujet savoir renoncer. Eh oui, jouer les Sherpas, porter le matériel, voire hisser le matériel en morceaux, savoir démonter les roues du cadre pour faire passer le cadre, puis les roues, c'est pas vraiment un concept dont on raffole. Le but, c'est vraiment de tout passer sur le vélo. Donc, c'est aussi un petit peu le concept du freeriding. Alors, la pointe des Mattes, hein, vous pouvez aussi aller la chercher depuis le col de Bassachaud, en prenant direction du Mont-de-Grange et ensuite la direction de Cornillon. Vous arrivez par la gauche à cette intersection pour enchaîner sur la suite. Voilà. Belle page de l'enlever sous quoi qu'on là-haut. La crête, ben ça c'est notre petite crête. Savoir renoncer, ben c'est juste là, c'était arrêté. Et après, c'est toutes les crêtes là-haut, les Virolais, sous quoi qu'on, pour arriver ici. Alors ensuite, vous êtes sur cette piste, on va dire, jeepable, avec une très jolie vue sur les Dents du Midi en Suisse. On est sur le tracé de la Passport e-bike 2019. Puisque là, en 2020,
celle-ci, après avoir été repoussée, a été annulée, trop compliqué à organiser, notamment du côté suisse, et le côté convivial des fondus ou autres spécialités savoyardes en aurait pris un coup. Après, rien ne vous empêche de venir profiter du domaine durant l'été, hein. Il y a tout ce qu'il faut pour rouler, tout en respectant les gestes barrières. Par contre, en parlant de barrières, soyez vigilants, hein, parce qu'il y a beaucoup de parcs à vaches et tous les endroits sont pas forcément équipés avec, on va dire, des passages rapides. Donc, vigilance, concentration. Ah, ça grimpe, hein, y a pas de soucis. Même les vaches en restent bouche bée et on n'entend plus les cloches. Donc là, on est vraiment en face du domaine de ski de Châtel. Le Lingard, les Combes, Cornebois, Rochasseau, col de Bassachaud. Donc ça, là, c'est tout le domaine de Châtel l'hiver. Au moins une partie du domaine, puisqu'après, il y a tout Super Châtel aussi de l'autre côté. Donc il y a vraiment de quoi s'amuser sur les pentes ici. Quand je parlais de passage rapide, je pensais à ce genre de dispositif. On prend même pas de coup de jus, donc c'est plutôt pas mal. Ah, ça grimpe, hein. Fichtre, comme on dit. Bon, y a des jolis virages, hein, où faut pas hésiter à élargir pour amoindrir la difficulté. Bon, si vous avez l'occasion de passer par là, pas forcément d'aller chercher la pointe des Mattes et son côté un petit peu extrême dans ce virage là, juste en dessous de la plage de Cornillon, quand vous arrivez à la petite antenne, là vous avez une vue plongeante sur Châtel avec justement le domaine de Super Châtel. Là, on est un peu en contre-jour. Là, il est quoi, 6h30 du matin. Châtel est encore dans l'ombre, tout en bas. Voilà. Et mais en montagne, il fait déjà bon. C'est des petits bonheurs du freeriding. On aperçoit là-bas au soleil l'alpage des Boudimes, par où on grimpe d'habitude. Donc là, on est parti, il n'y a même pas une demi-heure d'en bas, hein, de Villaperron. Donc on monte très très vite par le crack. Allez, retour sur la piste jupable. Et là, on arrive à l'alpage de Cornillon. Et on va enchaîner sur la crête qui monte au Mat. Là, on est à 1780 mètres. Donc, on est parti grosso modo 1000 mètres. Donc, pas loin de 800 mètres en 30 minutes. Et 4. Maximum 5 km. Donc là, on est vraiment dans le pentu. Voilà. Le soleil vient de nouveau nous réchauffer. Ça fait vraiment du bien. Parce que là, le fond de l'air est frais, comme on dit. Et on va bientôt arriver sur cette arête, sur cette crête qui va nous mener jusqu'au sommet. Donc voilà, en montagne, là, quand on s'approche des 2000 mètres, et en termes de végétation, les mélèzes commencent à se raréfier. Et ici, ça ne déroge pas à la règle. À la pointe des Mattes est en face de nous, à gauche, son alpage. Donc voilà, hein, là c'est l'heure de la traite. Certaines vaches, ben c'est fait. On est en plein dedans, hein. On entend les treilleuses. Après, en pleine journée, c'est beaucoup plus silencieux, hein, forcément. Vous n'aurez que les cloches des vaches. En face de nous, le Mont de Grange. Ça, c'est un des grands classiques à pied, comme les cornettes de bise,
la Dandoche. Et là, on a un petit passage qui permet de rejoindre la chapelle d'Abondance. Par les crottes. Alors les crottes, c'est un endroit qui est tout gras. C'est en fait les gouilles, généralement en montagne. Les noms sont jamais, on va dire, innocents. Et sur les faces nord, vous allez avoir des noms comme les crottes, les bouilles. Attendez, vous, à rentrer un peu sale. Donc là, il y a aussi une jolie descente dans les vallons. Alors je ne sais pas si on arrive directement dans le champ ou c'est juste après les sapins là-bas, mais quand vous voulez faire le tour du Mont-de-Grange, il y a un alpage où il y a un panneau vache méchante et les vaches vous coursent. Donc vive l'électrique, mettez le mode boost si vous êtes à la montée pour leur échapper, parce qu'elles rigolent pas. Allez, nous on continue là, objectif pointe des Mattes. Bon, la trace est étroite, hein. Vive les pédales automatiques, parce qu'on est quand même sur des standards de largeur inférieurs aux pédales plates, parce que là sinon c'est un coup à toucher. Les parties qui sont vraiment étroites, on est obligé d'arrêter de pédaler. Et là, et bon, là on est au-dessus de l'alpage de l'enlever. Et si on va aller chercher la pointe, ben hop, Audrey. Ouais, un petit coup de boost vu la pente. Vive le Griffus en gomme tendre. Plus là on a l'humidité rosée du matin. Et voilà. Il y a un semblant de sentier. Ah, c'est pas l'itinéraire le plus fréquenté. Oh, il y a un barbelé au sol. Dommage. Bon, je suis en tubeless avec pas mal de liquide. Avec un peu de chance, ça va colmater. Voilà, c'est bien bien trialisant. Alors il faut vraiment jouer au dahu. Si vous devez poser un pied au sol, hein, toujours côté amont, côté du sommet. Bon, en termes de vue, c'est juste magnifique. Je suis obligé de redescendre d'un cran. Ah, le sommet est là. Hein. Hop là. Un trou de marmotte. Voilà. Je crois qu'on pourra pas monter plus haut. On va aller découvrir la jolie vue qui se cache là derrière, la récompense du matin. Et voilà, ouf, 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 voilà, petit paradis. Là il y a de la hauteur. Allez, ouf. Et dans du midi,
la Suisse. Le Monde Grange, sous quoi qu'on. Bienvenue dans les ports du soleil. Le Mont Blanc n'en fait pas partie. Il est juste en face. Et on doit apercevoir logiquement la tête de Bostan dans les premiers plans. Un petit peu là-bas derrière, derrière Chesserie, qui est également un autre sommet qu'on a l'occasion de faire en freeriding.